Oh yo yo salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 4 août, direction Deauville pour le prix du Champ Durand. Plat 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 1 sur 5. Attention ce quintet, il est ouvert. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet à l'envers du mardi 2 août, il y a eu du trouble fait. L'arrivée, il y a trois mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, leader mondial sur l'aloe vera. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Super Cali. Et on écoute Alessandro Botti. Super Cali a payé ses efforts du début de course à la fin, mais il s'est quand même montré très accrocheur. La dernière fois, il s euh, non, il y avait un point. La dernière fois, il sera plus à son affaire sur les 1200 mètres et bien qu'il n'ait jamais couru en ligne droite en France, il avait bien couru en Angleterre sur un tracé rectiligne. Il est vrai qu'il doit porter du poids, mais je le crois capable de remporter une telle épreuve. Moi, ce numéro 1, il me plaît bien hein, malgré son poids. Euh, je l'ai mis en quatrième position. Adlas Jubnay Darcho raba. On passe au numéro 2, cours du Roi, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors, euh, bah moi, c'est mon préféré. Ce numéro 2, je l'ai mis en tête de mon pronostic. numéro, jauge, well, we'll deal it, On passe au numéro 3, Before Down, et on écoute Henri-Alex Pantal. Before Down vient de très bien se défendre dans une classe 2 à Chantilly. Depuis, la pouliche est restée en bonne forme. Je dis, ce sera un test pour savoir si elle est compétitive en 42 valeurs. Jugé sur ce qu'elle a fait de mieux, je la crois en mesure de bien se défendre. Ce numéro 3 aussi me plaît bien. Je l'ai gardé en 3ème position. Tchad numéro 3 est en on passe au numéro 4, Purple Bling, et on écoute Jérôme Régnier. Purple Bling reste sur un très net succès dans une course similaire. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Elle a cependant vu sa valeur révisée à la hausse de 9 livres. On va composer avec. Le bon terrain sera à son goût, et dans les stalles est une bonne chose pour cette pouliche vite sur jambe. Elle est arrivée mardi matin à Deauville. Et eh bien ce numéro 4 me plaît beaucoup, je l'ai gardé en deuxième position. numéro je On passe au numéro 5, Sassi Rascal, et on écoute Mademoiselle Delphine Santiago. Sassi Rascal est une pouliche que j'adore. Elle vaut une course de ce genre, je vais la monter en confiance ici. Ce numéro 5, sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic. Uh, numéro Hamsa, uh, on passe au numéro 6, Yellow Curry. On écoute Yann Lerner. Yellow Curry vient de nous montrer qu'elle revenait en bonne forme, elle est sur la montante et devrait courir en progrès. De plus, au regard de sa valeur handicap qui a baissé, on pense que c'est le moment d'essayer à ce niveau. Avant le coup, on la croit capable de très bien se défendre et la voir à l'arrivée ne serait pas une surprise. Eh ben ça sera pas une surprise pour moi non plus, puisque je l'ai gardé, bon, en bout de combinaison, hein, mais je l'ai gardé. à on passe au numéro 7, Queen of Speed, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 7. Euh, moi, je l'ai gardé en bout de combinaison aussi, hein, ce numéro 7, euh, il me plaît bien aussi. On passe au numéro 8, José-Joséphine, et on écoute Christophe Plisson. José-Joséphine a pu s'illustrer dernièrement dans un lot similaire. À sa décharge, elle n'a peut-être pas eu un déroulement de course favorable ce jour-là. On insiste à ce niveau, d'autant que Marilyn Eon s'entend bien avec elle. Elle est restée bien le matin et devrait apprécier le parcours du jour. Ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. numéro Tchmenia On passe au numéro 9, De Tes Nouvelles, et on écoute Madame Gina Rarik. De Tes Nouvelles revient sur 1200 mètres, une distance sur laquelle elle avait bien réussi, notamment pour son précédent entourage. Dernièrement, sur 1400 mètres, j'en espérais un peu mieux. Voilà pourquoi on raccourcit le tir ici. On va ainsi la monter à sa main. Ce numéro 9 non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est quand même mon deuxième cheval de complément au cas de non-partant, donc attention. numéro On passe au numéro 10, la combattante, et on écoute Didier Prodome. La combattante n'a pu s'illustrer dernièrement, à sa décharge l'opposition était de taille ce jour-là, et elle n'était pas nécessairement affûtée. Cette sortie lui a profité. Si elle n'est pas prise de vitesse ici, elle peut pourquoi pas compléter l'arrivée du quintet. D'autant qu'elle a laissé une impression favorable à son partenaire dernièrement. Ce numéro 10, non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, attention, hein, c'est mon cheval de complément en cas de non-partant. Ad numéro Asharadrchow non-partants. On passe au numéro 11, First Shot. Et on écoute Fabio Carnevali. First Shot est une pouliche qui possède beaucoup de vitesse. Maintenant, elle doit comprendre ce qu'on qu lui demande. Dernièrement, c'était une première en ligne droite et je pense qu'elle n'a pas compris comment courir sans un tournant. Difficile de dire qu'elle va faire l'arrivée, mais j'en attends une bonne prestation, d'autant que sa forme est très bonne actuellement. Ce numéro 11 aussi, hein, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, hein, j'ai préféré d'autres candidatures. Ad numéro 8, Tiawa on passe au numéro 12, Winan, et on écoute Nicolas Colery. Winan est une chic pouliche qui ne cesse de me faire plaisir depuis son acquisition. Elle vient de s'imposer plaisamment et je pense que malgré la pénalisation, elle est capable de rester compétitive. En pleine forme, j'en escompte, une grande performance. Eh bien il est super chaud Nicolas Colery avec son numéro 12. Moi je ne l'ai pas retenu. Hein. Bon par contre elle est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de Chiquet. Repéré sur cette liste elle est en tête. On passe au numéro 13 Dreamlove et on écoute Edouard Monfort. Dreamlove méritait d'enlever sa course dernièrement. Ce sera une première dans un handicap. Je pense qu'il peut être compétitif à cette valeur et semble pas mal situé en bas de tableau. Dès lors, j'en attends un bon comportement et j'espère le voir finir à l'arrivée. Ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Sur cette liste, il est pile au milieu. On passe au numéro 14, Jordan Baker, et on écoute Mathieu Boutin. Jordan Baker a enlevé deux handicaps cette année. Il a devancé des lots de moyenne facture à chaque fois. Jeudi, il monte de catégorie en étant pénalisé. C'est un test à ce niveau et un essai sur une distance plus courte. Il a régulièrement progressé au fil du raccourcissement de les distances. J'espère que cela va perdurer pour ce qui sera sa première course en ligne droite. Ce numéro 14, hein, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro Rabartash Maderchoche. On passe au numéro 15, Sassika. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 15. Euh, bah je ne l'ai pas retenu, moi ce numéro 15. Hein. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et sur cette liste, il est à la fin. Numéro Hamstache, Maderchoche, on passe au numéro 16, Baba Sim. Et on n'aura pas les commentaires hein, de l'entraîneur aussi pour ce numéro 16. Oui, il me plaît bien ce numéro 16. Je l'ai gardé en cinquième position. Ad numéro Stache, je m'en ai Le pronostic, ça donne 2, 4, 3, As, 16, 7. 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo pour les 3 mois de tickets VIP offerts. Il vous suffit de prendre le pack go to FBO plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez le mois. Ciao.